Bonsoir la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, tout va bien. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Chaque jour, c'est la fête. Chaque jour, c'est la fête, la famille. Parce que quand tu te lèves le matin et que tu es en bonne santé, c'est une fête pour nous tous. Donc, bonne fête à tout le monde. Que l'année à venir nous trouve aussi dans la santé, qu'on puisse fêter ensemble comme ça s'est passé encore. Donc, bonne fête à tous les musulmans. À tous les musulmans, bonne fête à vous. Ce matin, la famille, partagez, s'il vous plaît, partagez. Ce matin, je m'adresse à Alpha Condé et ses entourages. Parce que moi, je ne vais pas les laisser. Même aujourd'hui, je supporte le président Sélou Dalein. S'il est demain à la tête et qu'il fait comme comme Alpha Condé là, c'est la même lutte que je vais faire. Parce que moi, la Guinée, j'aime. Je ne veux pas qu'un président vienne s'asseoir chez nous là-bas. Et qu'ils traitent les populations comme si les populations n'étaient pas des êtres humains. Un président qui vient s'asseoir, qui traite les populations comme des animaux, moi je vais te battre jusqu'à ce que le bon Dieu là-bas. Un président qui n'a même pas froid aux yeux, un président qui n'a pas pitié aux enfants. Un président qui ne pense même pas à Dieu, un président qui a pris l'enfer, qui a pris l'esprit de Satan pour s'asseoir. Parce que depuis que Alpha Condé est parti au Nigeria, c'est sa photo là même que je sais. Là où il a pris la photo là, il est assis avec long couteau là. Le jour où j'ai vu la photo là. Moi-même, quand j'ai vu la photo là, l'imagination qui est venue dans ma tête, j'ai dit, lui là, il a montré le couteau long là pour nous dire qu'il va venir nous tuer. Et c'est ça qu'il a fait. Depuis qu'Alpha Condé est parti au Nigeria et puis s'est retourné là, il est parti donner son arme là-bas. Prendre l'arme de Satan à venir s'asseoir sous nous au pays en train de faire n'importe quoi. C'est pourquoi les Guinéens sont là-bas. Ils ne peuvent rien faire. Parce que Satan a qu'il est parti prendre là-bas là pour venir s'asseoir sous la population. D'autres sont là-bas, même quand on parle, ils n'écoutent pas. Parce que Satan là est rentré dans certaines personnes au pays qui fait qu'ils sont là à voir la vérité. Ils ne disent rien. Ils sont là à lui supporter. Parce que Satan que vous voyez là. Il va gâter parce qu'il sait que lui, il est là seulement pour gâter. Trop ou tard, ils vont lui prendre. Mais avant qu'on lui prenne là, il va déjà faire ce qu'il est venu pour faire. Mais ton Sétana là, ce n'est pas tous les Guinéens que ça attrape. Sétana que tu es parti prendre au Nigérian là, pour venir s'asseoir sous nos parents là. Ce n'est pas tout le monde que tu vas les mettre dans ton bateau là. Nous, on serait là chaque jour pour les faire comprendre que ce que tu es en train de faire au pays, c'est pas bon. Parce qu'un être humain qui croit à Dieu, qui a lu le Coran de A à Z, qui a lu la Bible de A à Z, ne peut pas se comporter comme ça. Même les blancs ou les blancs que nous on vit dans leur pays aiment leur pays. Ils traitent les enfants bien ici. Ils prennent soin de leur pays ici. Il y a les femmes ici qui ont 5 enfants qui ne travaillent pas. L'État s'occupe de eux ici. Même si un blanc te dit il faut faire ça dans ton pays. Mais il faut un pays où toi, Alpha Condé, tu as grandi, France. France même où les gens, leurs choses, comment dirais-je,
Leur gouvernement prend soin des enfants. C'est dans le pays là que toi tu as grandi. C'est dans le pays là que toi tu as fait le reste de ta vie là-bas. Le reste de ta vie là-bas. Tu ne peux pas venir t'asseoir chez nous en Guinée sans nous montrer au moins une bonne chose qui se compare au moins en France, qui peut nous montrer au moins que vraiment tu as duré en France. Voilà, c'est l'exemple là que tu as pris en France pour venir nous montrer en Guinée. On n'a pas vu ça sur toi. Même un blanc te dit, il ne faut pas rendre ton pays joli. Mais tu dois réfléchir, tu dois dire à le blanc là que, mais ce toit là, tu prends soin de ce toit, tu arranges tes routes, tu prends soin de les enfants là-bas. Hein? Même nous qui quittons en Afrique pour venir ici, ils nous aident ici, ils nous donnent tout. Ils ne peuvent pas nous dire d'aller tuer nos parents là-bas. Ça ne se peut pas, ça ne peut pas se faire. Donc, toi, un être humain qui a grandi dans un pays comme ça, là, tu viens t'asseoir chez nous et puis tu nous maltraites. Tu nous prends comme si on est des animaux. Mais nous, on est là chaque jour à t'insulter. Parce qu'un grand personne qui ne se respecte pas, qui ne prend pas soin de nos parents, nous aussi, on ne va pas te respecter. Jusqu'à Dieu là-bas, on ne va pas se respecter. Les gens qui sont là ont dit que ah, pour insulter un président, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Si un président ne se comporte pas bien là, on t'insulte. Si un président ne se comporte pas bien, si un président se comporte comme des animaux, qui ne respecte pas encore ses peuples là, on va t'insulter jusqu'à toi-même, tu vas regretter ce que tu as fait, c'est pas bon. Alpha Condé et ses entourages là, vous avez rendu le pays pauvre. Pauvre. Parce que vous savez que le pouvoir là, c'est pas pour vous. Vous avez volé ça. Et vous êtes là-bas encore en train de prendre les populations et en train de prendre nos parents et les enfermer pour ne rien. Il n'y a pas quelle insulte qu'on n'a pas mis sous Trump ici là. Même aujourd'hui, quand tu pars en ville, à New York, quand tu pars à Manhattan, tu vas voir les statues là-bas qu'ils ont fabriquées, qu'ils ont mis quelque chose de mauvais sous le nom de Trump. Mais on n'a pas mis quelqu'un ici en prison. Si un président ne se comporte pas bien, tout le monde, leur loi même ici là, tu as le droit de dire quelque chose. Donc, c'est pas chez nous là-bas que tu vas enfermer les gens qui n'ont même pas fait quelque chose. C'est-à-dire, tu les prends comme ça, tu les emprisonnes parce que tu es au pouvoir aujourd'hui. Et le pouvoir là, c'est pas une place que quand tu t'assois là, c'est ta fin du monde. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Et quand tu te lèves là, où tu vas partir? C'est quand tu fais un bon travail que quand tu quittes là-bas, les gens vont te pleurer. Ou bien là où tu vas partir, les gens vont prendre soin de toi. Toi et tes entourages là, quand vous allez quitter aujourd'hui là, même si vous allez venir vous asseoir en Europe ou en Amérique ici là, personne ne va vous calculer. Parce que vous êtes, même zéro est plus bon que vous. Même le chiffre zéro là. On peut prononcer ça bien aujourd'hui. Apprécier ça bien aujourd'hui que vous. La famille partagée ce matin-là. Je suis dans mon corps de Thomas aujourd'hui. Il faut que je dise la vérité à Alpha Condé et ses entourages-là. Ce qu'ils sont là à faire à nos pauvres parents, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de tout. Et vous qui sont là à les supporter là. Moi, ce n'est pas parce que je n'aime pas RPZD. Si RPZ me montre aujourd'hui quelqu'un de bien que j'aime, tu vas me voir dedans aujourd'hui. Nous tous, on veut quelqu'un de bien pour notre pays là. Le monde est développé. Tout le monde est sur Facebook chaque jour. Tout le monde est sur l'Internet chaque jour en train de voir des bonnes choses. On n'est plus dans le monde de l'époque là. On n'est plus dans ça.
Nous, on veut maintenant avancer. On veut maintenant avancer. Même quand vous partez en Guinée aujourd'hui et que vous partez au village, même les cases rondes que les gens dormaient dedans là, tu peux compter maintenant au bout de doigts. Beaucoup ont changé leur maison maintenant avec tôle. D'autres sont calorés maintenant. Ça veut vous dire que le monde est changé. Même les villageois qui sont au village là, il y a un réseau même dans leur sang là-bas. D'autres restent dans leur sang là-bas pour appeler leurs parents ici. Donc, même il y a les choses, comment dirais-je, travail forcé qu'on faisait avec des choses là. Il y a les machines aujourd'hui que les gens prennent pour travailler. Donc, ça veut dire que le monde est développé. Nous aussi, on veut avancer le pays là. Donc, vous ne pouvez pas venir vous asseoir comme ça sur nous. Et puis, vous ne faites rien du bon. Et puis, vous êtes là encore à fatiguer les parents. Ça, nous, on peut pas regarder ça et puis se taire. La Guinée, c'est pour nous tous. Sans son que je viens de mettre là. Il faut voir ce que la star là a parlé. On a tous et nous. Tout. Avant même, au moment où je me rappelle, je faisais sixième année là. Le matin, le soir, quand nous on vient, après midi là, tu passes derrière, voilà, patates. Patates qui est derrière la maison. Hein? Déjeuner là. Le matin, on prépare les patates là. Tu prends 3 ou bien 4, tu manges ça. Tu es OK. Tu pars à l'école. Il n'y avait pas faim. Les gens travaillaient comme ça là. Mais vous êtes venus rendre notre pays pauvre. Les gens n'ont même pas l'argent pour cultiver. Leurs fils ont fini de travailler. Ils sont là, pas de travail. Au moins quand ton fils, si tu es chose cultivateur, si ton enfant a pu étudier et qu'il est à Conakry ou bien quelque part dans la Guinée en train de travailler, même si tu l'appelles pour dire que mon fils, j'ai besoin de cette machine-là pour cultiver ici. Dans la ville, là, tout le monde est sorti, mais chacun a son semen. Toi, tu peux pas. Tu peux être cultivateur, mais l'enfant que tu as mis au monde là, il peut être directeur quelque part. Quand il paye machine là pour envoyer à son papa ou bien à son frère au pays et au village pour qu'il cultive, il va cultiver. Mais ce qu'il va cultiver là, il va prendre quelque chose dedans pour venir vendre au pays et au marché. D'autres vont payer ça pour aller se nourrir. Mais si les gens qui cultivent au pays là, ils n'ont rien même à commencer, la faim va dominer le pays. C'est pourquoi le pays est devenu très cher comme ça. Il n'y a pas de l'argent. Parce que tout simplement, vous êtes là, vous avez manipulé les gens. Et dans pauvreté, là, quelqu'un qui est assis à la maison et que tu viens lui donner l'argent, va faire ça à telle personne. Va me faire ça là. L'intéressé n'a pas de travail. Il sera obligé d'aller faire ça, même s'il n'a pas envie. Vous êtes là, vous avez rendu le pays pauvre. Et puis, même les bonnes personnes, vous les avez transformées dans votre satanala. Tout simplement, c'est la pauvreté qui les a mis dedans. Beaucoup sont derrière vous là-bas aujourd'hui. Parce que tout simplement, ils ne travaillent pas. Ils sont obligés de vous suivre avec votre sale de comportement là. Alpha et ses entourages là. Vous êtes quel genre de personne? Vous êtes quel genre de personne? Vous n'aimez pas la Guinée. Parce que moi je me demande, vous qui sont à côté de Alpha là, vous n'êtes pas les enfants vrais de la Guinée. Parce que un enfant qui vient de la Guinée, il a pitié, il a l'amour de son pays. Il a l'amour de son pays. Et quand tu as l'amour de ton pays, tu fais un bon travail. Tu fais un bon travail. Pourquoi nous, on est là? On travaille, c'est nous. Parce qu'on sait que là-bas, là, c'est là-bas qu'on va terminer. Là-bas, là,
C'est là-bas on nous a mis au monde et c'est là-bas on a grandi. C'est là-bas nos parents sont. On cesse toujours les bonnes choses ici pour envoyer là-bas. Donc, quand vous êtes au pouvoir aujourd'hui, un pouvoir qui est volé, hein, qui est volé, vous êtes assis sur ça là. Quelque chose que tu voles là, vaut mieux que tu rembourses parce que tu ne dors pas et tu n'as pas la paix du cœur. Et tout ce que tu vas faire là, ça serait quelque chose qui n'est pas bon. Donc, Dieu va faire que tu vas faire des sales comportements qui vont aggraver ton problème. Parce que ce que tu as pris là, ce n'est pas pour toi. Tu veux faire seulement la force sur ça. Et tant que tu ne donnes pas ça là, nous on est là aujourd'hui. Nous on est là chaque jour à vous insulter. Et Dieu ne va même pas envoyer bonne idée dans vos esprits sales là. Parce que vous avez pris Satan pour vous asseoir. Dieu ne va pas envoyer quelque chose de bon dans votre tête. Parce que ce que Dieu n'aime pas là, vous avez fait ça. Vous avez tué les enfants. Vous avez tué les femmes. Vous avez tué les hommes. Les pères de famille qui préparaient l'avenir de leurs enfants. Voilà un grand. Pourquoi moi je ne vais même pas vous laisser? Parce que vous avez tué un frère qui me donnait conseil lorsque j'avais l'âge de 14 ans jusqu'à 17 ans. Et c'est un grand qui traitait des fois mes devoirs au quartier. Que à cause de vous, à cause de votre palabre d'ethnie là que mon grand frère là est resté dedans. Sous nos irécouris là, les malinqués et les guézés là fêtaient ensemble. Il y avait tellement la joie entre eux. Hein? Mais à cause de toi aujourd'hui, les gens sont devenus comme ça ici. Mais moi, je serai là chaque jour à dire à nos parents, il ne faut pas que quelqu'un nous mette ensemble. On est déjà mélangés. On est déjà mélangés, la famille. Regardez, ouvrez vos yeux bien. Regardez dans vos familles très bien. Jusqu'à la fin. Tu vas trouver que ton frère est parti faire un enfant avec un malinqué. Toi, tu es pur. Mais ton frère est parti faire un enfant avec une femme pure. Ou bien ta soeur est mariée avec un homme soussou. Ils ont des enfants. Regardez bien dans vos familles, la famille. Donc, quand vous pensez à quelque chose comme ça, là, hein, on doit se donner la main. Il ne faut pas qu'on laisse notre vie dans la main de quelqu'un que Dieu est même prêt à lui dire, viens par là. Parce que Alpha Condé et ses entourages-là, quand vous regardez leur âge-là, et tous, ils sont malades là-bas. Ils viennent ici pour prendre leurs médicaments. Pour qu'ils passent s'asseoir là-bas, en train de mentir, en train de mettre la vie des jeunes en danger. Beaucoup de couples ont gâté aujourd'hui à cause de vous. Tu te maries, tu n'as pas un bon travail. Vous avez trois, quatre enfants. Qui va nourrir ces enfants-là? Hein? La femme là serait là. Attendez, je vais vous montrer d'abord la photo. À chaque fois que je vois la photo là, j'ai mal. J'ai mal comme ça là. Ouais, la photo là même. Ah, Seigneur. Voici la photo. Le grand Jeannot. À chaque fois que je vois sa photo là, Alpha Condé et ses groupes là, je vais jamais vous aimer.
Vous avez vu? C'est un grand que il a aimé tout, que tu sois malinqué, que tu sois qui dans le quartier, tout le monde connaissait le grand là. À chaque fois que je vois sa photo, j'ai mal au cœur. Et à cause de vous, le grand là est parti comme ça. Vous êtes quel genre de président? Vous êtes là seulement à tuer les jeunes, à tuer les enfants. Et vos entourages là, leurs enfants sont là. Est-ce que quand on parle de ça là, ça commence là? C'est bon au pays. Mais tout ce que je peux vous dire, la famille, donnez-nous la main. C'est la seule chose qui peut nous aider. Donnez-nous la main. Il faut qu'on se donne de l'amour, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'aime entre nous. Nous tous, on est Guinéens. C'est ça que les Malinkés disent. Beauté Bobena. On est devenu Guinéen, on est Guinéen aujourd'hui, on est Guinéen demain. Même s'il y a quoi, tout le monde va dire ça, toujours, je suis Guinéen, je viens de la Guinée. Donc, on ne peut pas se laisser, il faut qu'on se donne la main pour lutter contre les gens qui ne veulent pas avancer notre pays là. C'est nous qui leur donnons le place là. S'il ne fait pas quelque chose de bien, il faut qu'on soit fort pour leur dire la vérité. Il faut qu'on se lève pour leur dire la vérité. Hey, dis la vérité à le propriétaire de la maison et que tu dors au dehors. Mais quand il se couche la nuit là, il va penser à ça. L'argent là, nous tous, on va laisser ça aujourd'hui. On va laisser ça demain pour partir. L'argent, c'est quelque chose que tu prends pour faire le besoin que tu as. Même si tu as beaucoup à la maison là, ça serait là seulement que tu regardes. Mais c'est quand tu as besoin de quelque chose que tu prends pour aller payer quelque chose. Donc, au lieu que quelqu'un vienne te manipuler pour te donner l'argent que tu vas manger seulement dans un mois, pourquoi ne pas te donner le travail que tu peux faire jusqu'à ta mort? Au moins dans le travail là, tu peux préparer l'avenir de tes enfants. Tu peux prendre soin de toi. Même si la pauvreté est grande, il faut avoir le cœur de dire la vérité à quelqu'un. Les gens sont là, c'est le régime. Ça, c'est mensonge. Faux mensonge de régime. Il n'y a pas un régime qu'on ne peut pas changer. Il n'y a pas un régime qu'on ne peut pas changer. Un faux régime comme ça, là, qui vient dominer tous les pays, les populations comme ça, là. Tout le monde est assis. On ne parle qu'entre nous seulement, mais vous ne voulez pas manifester. Et vous avez voté à quelqu'un que vous voulez qu'il soit au pouvoir. Si on n'a pas, si on prend le pouvoir à l'intéressé, pourquoi vous ne pouvez pas vous lever? Tout simplement parce qu'il y a les malhonnêtes entre nous. Les malhonnêtes qui ne pensent qu'à eux seulement, sans penser à les autres. Parce qu'un malhonnête qui pense à lui seulement, sans penser à les autres, il ne va rien faire comme du bon. Et à cause de vous aujourd'hui, le pays souffre. Vous-même, vous êtes dedans aujourd'hui, vous souffrez comme ça là. Le regret là est dans votre jeu comme ça là. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais quand tu vois son bonheur là, il faut laisser son bonheur là rentrer dans sa maison. C'est pourquoi un jour aussi, quelqu'un va rester pour toi là, rentrer dans ta maison. Mais vous êtes là assis seulement en train de bloquer l'essence des autres, bonheur des autres. Et pourtant, dans le monde là, Dieu a envoyé les rois parmi nous. Dieu a envoyé les puissants parmi nous. Tout le monde ne peut pas être puissant ensemble. Il y a les enfants que Dieu les a envoyés parmi nous,
qu'il soit à la tête de quelque chose pour pouvoir aider tout le monde. Donc, ce que Dieu a écrit sur l'intéressé, toi, tu ne peux pas changer ça. Même si tu fais comment, si c'est Dieu qui a mis ça sur lui, wallahi, ça va sortir. Ça va sortir. Ton blocage là, c'est seulement un petit temps. Mais quand Dieu est prêt à dire que oui, voilà, c'est son jour, et tout le monde va voir ça. Donc, arrêtez la famille. Arrêtez de suivre quelqu'un qui ne nous avance pas. Arrêtez de regarder quelqu'un qui est là seulement à nous manipuler. C'est-à-dire, regardez, depuis qu'ils ont volé le pouvoir là pour s'asseoir, ça fait combien de mois? Qu'est-ce qu'ils vous ont montré là-bas comme quelque chose de bien? Chaque jour, on est là à attendre. Il a attrapé telle personne. Il a fait comme ça là. Il n'y a pas un bon projet qui nous fait comprendre qu'ils sont là maintenant pour changer quelque chose de bien. Rien! Ça ne fait que la souffrance ne fait qu'augmenter seulement. Augmenter seulement. Et vous êtes là à regarder sans manifester. La famille, les gens là ne vont rien faire du bon au pays. Ça, c'est fini. 10 ans là, c'est fini. Ils seront là seulement à créer des faux problèmes pour vous faire oublier. Et c'est vous que la souffrance là revient encore. Parce que eux, ils sont là-bas là. Ils dorment bien dans l'air climatisé. Ils mangent bien, même si piment devient aujourd'hui 5 000 francs. Et ils vont payer ça. Même si le marché devient aujourd'hui, les choses deviennent 100 dollars, et ils vont toujours manger bien. Donc la souffrance, ça serait toujours sur nous. Les individus comme ça, là, les individus qu'on peut les attraper, même quand tu me fais arrêter devant eux-mêmes comme ça, là, face à face, je peux leur dire ce que je veux et puis partir là où je veux. Parce que c'est les gens qu'on ne doit même pas les respecter. Quelqu'un qui tue mes parents, quelqu'un qui ne respecte pas mes parents, voilà, je ne vais jamais te respecter. Je ne vais jamais te respecter. Donc, s'il vous plaît, la famille, ouvrez vos yeux là. Ouvrez vos yeux là. Le monde est très, 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 très en avance aujourd'hui. Notre pays est en retard. La Guinée est en retard, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Arrêtez de regarder les faux là. Et puis, riez comme ça là, comme rien n'était. Les jeunes se marient aujourd'hui. Ils n'ont pas de travail. Comment ils vont préparer l'avenir de leur enfant? D'autres sont là aujourd'hui. Ah, quand tu te lèves le matin, tu n'as même pas un franc à donner à ta femme. Et ta femme est belle quand elle sort au dehors. Il y a les hommes qui vont la regarder. Et toi, tu es à la maison, tu n'as même pas un franc à la donner. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les foyers là-bas. La difficulté fait que certaines personnes rentrent dans quelque chose qu'ils n'aiment même pas. S'il vous plaît, la famille. Il ne faut pas que notre pays devienne quelque chose de mec que nous tous, on est là assis aujourd'hui à regarder où ça s'est commencé. On est là à regarder parce que quelque chose qui est dangereux et que tu ne te lèves pas pour combattre ça. Demain, si ça devient quelque chose, ça serait toujours notre faute. Nous tous, on aime la Guinée. On veut voir la Guinée en avance. Hein? Courant là, ce que courant là donne même dans un pays, c'est trop. Le courant seulement qui dort sur nous, qui 24 heures sur 24 qui ne va pas, c'est que ça là même ça donne. Tu ne vas même pas penser à travailler dans le gouvernement. Tu ne vas même pas avoir le temps à les regarder ce qu'ils font, même si c'est bien ou bien si ce n'est pas bien. Donnez-nous seulement le courant seulement 24 heures sur 24. Vous allez voir. D'autres seront là à faire des choses qui va faire même que nous, on ne va même pas vous calculer. Qu'est-ce que vous êtes là à faire?
qu'est-ce que ça se passe? Parce que le courant là, si moi je me lève le matin et que j'ai un projet que j'ai mis ça au terrain, c'est le courant là qui m'aide à circuler projet là. C'est ça qui est dans ma tête. C'est mon programme là qui est dans ma tête. Peut-être c'est quand j'arrive à la maison et que je vois journal là, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je regarde. Si je suis même fatiguée, je ne vais même pas regarder. Le matin, je suis dans mon lieu de travail. Donc, le courant seulement, c'est quelque chose qui est inventé dans un pays. On n'a pas ça. C'est tour à tour. Si ce n'est pas à Gbessia aujourd'hui, demain, c'est à Amdalaï. Ou bien après demain, c'est là-bas. Arrêtez la famille. Les autres sont en avance. Les autres sont en avance. Ceux qui viennent parler, écrit ici là pour dire que tu ne parles de rien. Toi-même, tu es flanqué sur toi là-bas. Tu n'as rien à manger. Nous, on est là, on parle pour que le pays là sort dans la difficulté. Mais tout simplement parce que tu suis quelqu'un qui t'a déjà, qui a déjà mis l'esprit sale là dans ta tête, tu es là à lui supporter. Moi, c'est pas parce que j'aime pas RPG. Si RPG me montre quelque chose, quelqu'un de bien même aujourd'hui là, je vais lui suivre. Mais il faut pas nous donner quelqu'un qui ne travaille pas bien. Si on est là à lui parler, vous êtes là à dire, c'est rentré, c'est sorti. Même les gens de RPG même ont honte aujourd'hui de voir ce que Alpha Condé est en train de faire. C'est pas bon. C'est pas bon. Beaucoup sont quittés même derrière lui aujourd'hui. Parce que tu ne vas pas supporter quelqu'un qui va venir mettre la honte dans ton jeu. C'est pas bon. Donc la famille, s'il vous plaît, donnez-nous la main. Donnez-nous la main pour qu'on fait face à l'aisance là. Pour qu'on fait face à l'aisance là. Même les journalistes sont corrompus. Les gens des choses, comment dirais-je, qui travaillent à la télé, et tous sont corrompus. Et ils sont là aujourd'hui à voir la réalité. C'est quand quelqu'un sort au prison, ils sont là à poser leur sale question là. C'est comment vous-même, vous êtes assis dans la salité là-bas. Vous êtes là à voir ce qu'il est là à faire, c'est pas bon. Je sors en prison là. Je ne parle même pas à m'asseoir devant vous pour que vous me donniez les sales questions là. Parce que vous tous là, vous faites partie de la même pied d'égalité que Alpha Condé. Je ne vais même pas partir m'asseoir devant vous pour vous donner le temps de me donner les sales questions là. Parce que vous connaissez le vrai problème. On veut un président qui a pitié. On veut un président qui donne, au lieu de donner l'argent aux jeunes là, il faut leur donner du travail. Il faut créer des choses pour leur donner du travail. Au lieu que chaque matin, les jeunes sont obligés de passer dans les bureaux. Et ma grand, ma petite, Guy Sende, vous allez les envoyer sur vos copines, vous allez les envoyer de partout, avant même que vous leur donniez quelque chose. La famille, c'est beaucoup. Je vais commencer. C'est beaucoup, on ne peut pas tout dire. Mais c'est petit à petit. Pour aujourd'hui, là, je vais m'arrêter ici. Mais Alpha Condé et ses entourages, là, moi, je serai là chaque jour à vous dire mes quatre vérités. Et personne ne va m'arrêter. Personne, je dis, hein, même dans ma famille, personne ne va m'arrêter pour vous dire cette vérité-là. Parce que c'est mes pleins droits de vous dire. Si c'est un bon travail que vous faites là, moi-même, j'allais être là encore à vous apprécier. Mais tant que vous êtes là à manipuler nos parents, à les torturer, parce que vous avez la force aujourd'hui, vous avez manipulé les ministères là, ils sont avec vous.
tant que vous êtes là à faire ça, moi aussi, je serai là chaque jour à vous insulter de A à Z. Que ce que vous êtes là à faire là, ce n'est pas un être humain. Vous n'êtes pas un être humain. Parce que même les animaux en brousse aiment entre eux. Même les animaux qui sont en brousse, ils savent se organiser. Mais toi et tes entourages là, je ne sais même pas. Mais vous êtes parti prendre cet anan, mettre dans vos corps. Vous ne pouvez rien faire du bon maintenant. Rien du bon. Parce que ce que Dieu n'aime pas, vous avez pris ça et mettre ça dans vos cœurs, dans vos corps. Les gens sont là à penser que Alpha que on connaissait là, c'est lui qui est là-bas. Et pourtant, Alpha est parti laisser son vrai Alpha quelque part, prendre Satan à mettre dans son corps, venir faire face à vous. Et vous êtes là à supporter ça. Mais Satan là, nous on va enlever ça dans leur corps. Parce que notre bouche là va leur frapper chaque jour encore. On ne va jamais rester notre bras. On va toujours continuer la lutte là. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous avez fait pour vous. Mais le reste là, nous aussi, on va chaque jour continuer sur ça. En train de vous dire ce que vous êtes là à faire là, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas un travail d'un être humain. Quand tu es président, il faut avoir pitié à ta population. C'est toi qu'on a eu confiance à te mettre là-bas pendant les 10 ans. Là. Parce que ce que tu es en train, place que tu es assis dedans là, ce n'est pas pour toi. Donc moi, je ne te considère pas mon président. Mon président, c'est Selou Dalé. C'est lui qui a eu le pouvoir là. C'est lui qui est le président de la République de Guinée. Parce que vous avez volé sa place. Donc moi, c'est l'année passée que tu étais président. Continuez maintenant à l'année là jusqu'à le jour où les parents vont voir que tu n'es pas bon là. Que tu es, on est prêt maintenant que tu pars. Parce que eux aussi, ils sont assis. Ce n'est pas chaud d'abord. Parce que quelque chose, quand ça devient chaud là et que tout le monde se donne la main, se lever, si nous tous, on se donne la main, se lever ensemble là, est-ce que les gens là vont passer une nuit même à Conakry là-bas? Ils ne vont même pas passer une nuit. On va les mettre dans quelque part que eux-mêmes, ils ne pensent pas. Mais parce que vous êtes là, en train de parler, l'affaire d'Etini, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Et pourtant, tant qu'on ne se donne pas la main, la souffrance là, ça serait toujours sur nous. C'est l'amour qui doit avancer le pays là, la famille. Donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. S'il vous plaît. C'était la voix de Québec. Je vous aime. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Que Dieu fait que cet âme qui est dans le corps de Alpha et ses entourages là. Que Dieu fait que si c'est vrai qu'il y a les orphelins et les pauvres qui dorment sans manger, faites qu'il est passé là, d'autres n'ont même pas eu viande à manger. Vous avez vu le plat, photo de plat que j'ai publié sur ma page? C'est comme ça d'autres mangent en Guinée là-bas. D'autres n'ont même pas le prix de mêmes choses, comment on dit, sous-marin là. Je ne connais même pas le nom de ça en français. Sous-marin, là, d'autres n'ont même pas le prix de ça. Ils partent payer kilo comme ça, là, pour venir préparer ça et puis manger, dormir sur ça. La famille, si vous me voyez devant vous en train de parler comme ça, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses en Guinée avant de venir ici. Je vous ai bien dit que je vendais l'huile rouge à l'Ambaï Massé là-bas. Je connais ce que j'ai vu. Et le jour où je vais me retourner en Guinée, parce que tant qu'Alpha est là-bas, moi je ne vais même pas partir. Parce que les emparés comme ça là, je ne vais pas partir et qu'ils mettent ma vie. Ils sont déjà en retard. Ils n'ont rien. Si ce n'est pas pouvoir là qu'ils ont volé, profité dedans, faites quelque chose.
C'est les gens qui ont passé leur temps en Europe ici en train de blaguer les femmes, des pauvres personnes. Ils n'ont rien préparé. C'est le pouvoir là seulement qui les a aidés à préparer quelque chose pour que demain, ils vont partir, rester dedans. Donc moi, je ne vais pas gaspiller ma vie avec ces gens-là. Je vais rester ici d'abord préparer le reste de ce que j'ai arrêté de m'appeler. Je suis en ligne. Après, je vais vous appeler. Donc, le jour où je vais me retourner en Guinée, j'ai des choses importantes à filmer et puis vous montrer ça sur ma page, la famille. J'ai ma propre famille, mais j'ai encore des familles que vraiment, je ne peux pas vous dire tout. Je ne peux pas vous dire tout. Il y a des personnes en Guinée là-bas, la famille. Il faut que tes yeux voient. Quand tes yeux voient, toi qui crois à Dieu, tes larmes là vont couler. Tes larmes là vont couler. Donc, s'il vous plaît, à cause de Dieu, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. S'il vous plaît, la famille, encore, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Je vous aime. On est ensemble chaque jour.